du bilan a sonné. Le gouvernement d'Union Sacrée que dirige Jean-Michel Samalou Kondé avait promis de s'attaquer aux dossiers chauds qu'il attendait, parmi lesquels la restauration de la paix, la sécurité et l'amélioration du Congolais. Une année après, nous recevons sur ce plateau Jean-Michel Samalou Kondé qui sera cette fois-ci face au public. C'est une première. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Loussa Kweno. On va présenter cette émission ensemble. Bienvenue Christian. Bonjour Anita Luamba, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTNC, les auditeurs et téléspectateurs de Top Congo FM. Merci à cette édition numéro 1. Un an après, comme Anita Luamba vient de le dire, que retenir de l'action du gouvernement des Warriors du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Alors, face au public, parce qu'il y a un public dans la salle, mais face au public aussi, parce que de nombreux Congolais de l'intérieur du pays, plus nombreux d'ailleurs, mais aussi de Kinshasa, ont posé des questions. Ils l'ont laissé sur les auditeurs, sur les répondeurs de l'émission. Ils ont aussi envoyé des SMS et deux d'entre eux sont dans la salle. Ils vont pouvoir, vous allez les suivre, poser directement leurs questions au Premier ministre. Mais pour ouvrir le bal, Anita Luamba, pour la première question au Premier ministre. Merci de la RDC. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour Anita. Voilà, vous êtes arrivé à la tête d'un gouvernement d'union nationale, lequel on retrouve différentes sensibilités politiques. Peut-on dire aujourd'hui ou parler d'un gouvernement cohésion nationale? Et ma petite question suivante, votre bilan, vous le jugez comment? Premièrement, j'arrive dans un contexte, effectivement, par la tête du gouvernement, mais j'arrive dans un contexte où la majorité parlementaire est requalifiée. Et à la suite du travail de l'informateur, il est demandé au formateur du gouvernement, car il a plu à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de porter son choix sur ma modeste personne, de former le gouvernement. Et donc, premier exercice, celui d'arriver à consolider tous les partis au sein de cette vision du président de la République qui est celui de l'union sacrée de la nation. Et donc, ça prend quand même du temps, parce que c'est un exercice qui demande de la volonté des uns et des autres, surtout de tous les acteurs politiques, et c'est toujours pour moi une occasion de les remercier d'avoir participé à cet exercice et permis la formation du gouvernement que je dirige aujourd'hui. Alors, pour aller sur la suite, aujourd'hui, le 26, ça fait exactement un an que nous nous sommes présentés au Parlement pour donner ce programme du gouvernement à l'appréciation des honorables députés nationaux, programme qui reprenait bien sûr la vision du président de la République. Et là aussi, une approbation de cette Assemblée qui confirme finalement le début des travaux du gouvernement, à ce moment-là de la République, pas seulement de l'Union sacrée de la nation, mais de toute la République, parce que s'occupons de tous les Congolais, chacun et chacune là où il se trouve. Et aujourd'hui, si jamais vous devez me demander quel est le ressenti depuis que nous avons commencé ces actions, c'est d'abord de dire que nous avons pris nos fonctions avec la mesure des attentes. Autant de défis. Et je peux, moi, dire aujourd'hui que le travail qui s'est fait, c'était un travail de base. Parce que pour construire le Congo, ça demande toute une architecture. Architecture axée non seulement sur le bon fonctionnement de l'État, c'est-à-dire l'administration publique, l'armée, la police, et puis finalement tous les services devant desservir la population. Une base a été posée, une architecture est en train d'être montée, et donc un cap est fixé, déterminé, résolument tourné vers l'avenir, et je reste optimiste. Voilà, votre bilan, vous le trouvez comment? Le bilan, du point de vue de l'action et des objectifs qui nous avaient été fixés, moi je peux considérer qu'en tout cas que toutes les batteries ont été mises en marche, et je le considère satisfaisant. Mais d'un autre côté,
il faudrait retourner par rapport à l'attente de la population. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être que oui, il y a encore des attentes, mais que nous sommes déterminés à les rencontrer. Oui, depuis l'annonce par le chef de l'État de procéder à l'identification et le recensement national, cet appel semble s'envoler. Qu'est-ce qui explique que l'on arrive toujours pas à ce processus pourtant important pour la gestion humaine ? Alors, engagement pris par le gouvernement de la République, parce que je vais rappeler les objectifs qui nous avaient été donnés, notamment le rétablissement de l'autorité de l'État ainsi que la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Ensuite, la santé, l'éducation, qui faisaient partie de nos deuxièmes priorités. Et pour finir, notre système, notre cadre macroéconomique avec les réformes à apporter pour finalement se donner les moyens de notre politique et atteindre les objectifs. Et à la clé, bien sûr, l'organisation des élections. Nous y avons rajouté une donne en disant que désormais, tout le travail doit être fait pour que chaque Congolais et Congolaise soit doté d'une carte d'identité. Mais comment y arriver ? Pour y arriver, nous regardons les structures qui sont les nôtres et qui ont ces missions, notamment l'ONIP. Et nous nous rendons compte que, malgré que cet instrument a été mis en place, beaucoup d'autres structures, notamment provinciales et locales, n'ont pas encore été mises en place, comme je le disais. Et donc, nous avons pensé, finalement, et ça l'avait déjà été proposé, d'ailleurs, depuis 2006, donc l'occasion nous est donnée de ne pas faire la même chose qu'en 2006, en 2011 et en 2018, mais cette fois-ci, d'arriver vers une mutualisation des services, notamment de la CENI, de l'INS et de l'ONIP, pour pouvoir arriver à ce recensement et ce fichier d'identification nationale de la population. Mais pour cela, ça demande à ce que nous puissions organiser les trois services. Rappelez-vous que nous attendons que le bureau de la CENI soit mis en place. Et une fois que c'est fait, nous invitons tous les services pour leur faire comprendre le principe de mutualisation. Nous nous mettons au travail avec eux. Nous mettons un cadre légal à travers des décrets qui sont pris par ma personne pour non seulement fixer les principes de mutualisation, mais au-delà des principes de mutualisation, aller sur l'instauration de ce fichier sur le registre national de la population, et pour finir, celui qui traite de la carte d'identité et de toutes ses spécificités. Ce sont des instruments que nous avons déjà, et donc c'est en cours, c'est en voie, les moyens sont mis pour pouvoir y arriver, et donc il n'y a pas peut-être à s'inquiéter, peut-être à voir les travaux commencer au niveau de la CENI, travaux d'enrôlement, parce que c'est ce travail qui va permettre d'avoir un fichier qui sera transmis, non seulement à l'ONIP, mais aussi à l'INS, en vue de la production de la carte d'identité. Alors, au cours de cette émission, vont être passés en revue le volet politique, économique, social et culturel, mais aussi le volet technique. Quand on entend technique, on parle des routes et infrastructures numériques, PTNTIC, environnement. On sait que le Congo s'inscrit comme un pays solution. Nous sommes donc dans le volet politique. Et en plus des questions des journalistes, il y a les questions d'auditeurs. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, premier auditeur, du nom de Monsieur Moussi Kingila. À quand le recensement de la population congolaise ? On sait que ça risque de bloquer, la CENI n'est pas tout à fait d'accord avec ce problème de mutualisation. Il souligne le fait qu'il n'y ait pas de carte d'identité ni de permis de conduire, pourtant des documents très importants pour le citoyen. Comment est-ce que vous ne trouvez pas de solution à cela ? Il conclut en disant « Comment expliquez-vous que les choses les plus simples sont très compliquées pour votre gouvernement ?» Bon, d'abord, je vais revenir sur un correctif, parce que vous avez parlé de difficultés par rapport à la CENI. Effectivement, la CENI reste l'organe qui est lié à des délais contraignants. Ça veut dire qu'il faut respecter le délai de 2023. Et donc, elle ne s'inscrit pas contre la mutualisation des services avec l'ONIP ou l'INS, mais au contraire, elle dit « je veux simplement qu'on tienne compte de mes contraintes ». Il faudrait que, dans le cadre des opérations de mutualisation, nous puissions nous assurer que la CENI ne prenne pas du retard. D'où l'implication du gouvernement pour garantir à la CENI qu'il n'allait pas avoir ce retard. Et donc, cela se fait, c'est en cours, je l'ai dit, et ça va démarrer à partir du moment où nous allons commencer avec l'enrôlement
pour constituer une première partie du fichier. Le début de l'enrôlement des citoyens en vue des élections de 2023, et selon la feuille de route qui a été fixée par la CENI pour la fin de cette année, parce que comme vous savez, il y a ce cahier de charges, justement, et ça c'est pour confirmer quand nous allons vers cette carte d'identité, ce recensement, qui prennent en compte non seulement les spécificités de la CENI, mais au-delà de l'ONIP et de l'INS. Cahier de charges conjoint de ces trois services. Et ensuite, avoir un opérateur qui va pouvoir accompagner en tenant compte de toutes ces spécificités. C'est exactement à cette étape que nous nous trouvons. Alors, s'il faut parler de la carte du permis de conduire, vous avez suivi effectivement que tout un processus s'est fait sous la direction du ministère des Transports pour arriver à ce résultat. Simplement, rappelons-nous que nous allons vers l'identifiant unique. Et comme nous allons vers l'identifiant unique, il faudrait que toutes les spécificités soient respectées. Parce que la carte d'identité sera liée à ce numéro d'identification unique. Et en ce qui concerne les étrangers, la carte pour étrangers, et on peut aller plus loin sur d'autres, les comptes bancaires, et ainsi de suite, qui seront liés à l'identifiant unique. Et donc aujourd'hui, c'est après cet établissement de cahier de charge que nous allons avoir de ces trois structures, que nous allons avoir toutes les spécificités numériques et techniques qui vont permettre d'avancer sur la carte d'identité, sur le permis de conduire, je voulais dire, en étant sûr qu'il va pouvoir se raccoler à l'identifiant unique. C'est juste un préalable auquel nous devons absolument nous astreindre, et nous y sommes presque. Le ministre des Transports promet le permis de conduire pour le mois d'avril-mai. Oui, mais simplement, ce cahier de charge dont j'ai parlé a peut-être connu un peu de retard, mais il doit s'aligner. On est déjà au mois d'avril. Le ministère est prêt. C'est juste ces spécificités qu'il faut apporter. Au niveau de tous les travaux qui devaient être faits, au niveau des appels d'offres et ainsi de suite, vous avez suivi le lancement, ça s'est fait ici à Kinshasa pour la production de la carte d'identité. Et c'était à l'hôtel Rotana, donc c'est un processus engagé. Simplement, qu'on ait peut-être un contretemps du fait de ce cahier de charge pour qu'il puisse se conformer à l'identification unique, j'insiste. Identification, le point est terminé, parlons élection. Y aura-t-il élection en 2023, entendez, puisque le président de la CENI récemment sur Top Congo a annoncé qu'il n'avait pas les moyens nécessaires pour se faire à date. Est-ce que le gouvernement peut prendre l'engagement, peut nous dire aujourd'hui, le chef du gouvernement peut nous dire que les élections auront lieu, les fonds sont disponibles? Non seulement je peux ici l'affirmer, parce que mission prioritaire nous assignée par le président de la République, celui d'assurer l'organisation des élections à date. Effectivement, peut-être qu'on a suivi la CENI se prononcer, mais depuis, vous êtes certainement au fait qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, parce que n'oubliez pas que des provisions avaient déjà été faites depuis l'année 2021 pour assurer les opérations de la CENI, en dehors bien sûr du fonctionnement. Le fonctionnement, celui-là, était déjà pris en charge. Et donc, nous assurons ces opérations. Aujourd'hui, nous sommes pas à pas avec la CENI pour nous assurer des délais. Les délais les plus contraignants restent, bien sûr, l'opérateur devant nous accompagner dans les termes des machines qui pourront servir à l'enrôlement, parce que ça va demander qu'il y ait des commandes qui soient faites et un temps de livraison. C'est le délai le plus contraignant et nous y travaillons pour que ces délais soient respectés. Oui, Monsieur le Premier ministre, lorsque vous évoquez le mot recensement ou identification nationale, dans les oreilles d'une certaine opinion, cela sous-entend préalablement l'organisation des élections, mais aussi une manière de les repousser. Et donc aujourd'hui, vous nous confirmez qu'en 2023, le délai constitutionnel sera respecté. Oui, et je voudrais vraiment apporter ici la différence. Effectivement, en 2023, nous allons aller aux élections avec une carte d'électeur. Parce que la CENI va procéder à un enrôlement. Simplement, cet enrôlement va prendre en compte toutes les spécificités demandées par l'ONIP. Et elle sera accompagnée par l'ONIP dans cette opération. Je donne un exemple simple. Au niveau de la CENI, le plus important, c'est la circonscription électorale. L'adresse n'est pas tellement une contrainte. Tandis qu'au niveau de l'ONIP, ça l'est. Et donc cette fois-ci, la CENI, dans l'enrôlement, devra tenir compte de l'adresse physique et peut-être mentionner une deuxième s'il y en a. Comme ça, à ce moment-là, l'ONIP est sûr en termes d'identification de la personne et de l'adresse physique où on peut la trouver. Et donc,
l'enrôlement se fait, une carte d'électeur est délivrée. À partir du moment où le fichier électoral est constitué, la CENI fait un appel à l'électorat pour permettre que nous puissions avoir les élections en 2023. Et l'ONIP, qui a un fichier désormais compatible avec le recensement, poursuit ses opérations avec les autres catégories. Moins de 18 ans, l'armée, la police et autres. Voilà. Après les élections, parlons de l'état de siège. Pour ne pas terminer avec les élections, vous avez récemment dit à Goma que les provinces sous état de siège voteront comme les autres. On parle du Nord Kivu, on parle de l'Ituri. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance ? Bon, premièrement, c'est que lorsque nous avons eu les dernières élections, nous avons eu des zones impactées. Comme vous le savez, n'ont pas pu aller aux élections. Et aujourd'hui, lorsque nous décrétons l'état de siège, c'est pour nous assurer des opérations beaucoup plus accrues sur le terrain. Opérations militaires, c'est de ça que je veux parler. Et donc, si jamais on doit regarder la cartographie telle qu'elle apparaît aujourd'hui, avec toutes les actions militaires qui ont été menées, et ça, je pourrais revenir là-dessus lorsqu'on parlera en détail par rapport aux opérations de l'état de siège, nous avons une reconcentration du point de vue des zones qui sont impactées par l'insécurité, notamment dans le territoire de Beni, beaucoup plus au nord, et dans le sud d'Irumu. Et donc, si on doit se remettre dans la même configuration, on est certain que pour les autres zones qui ne sont pas directement impactées par cette insécurité, les opérations électorales pourront se dérouler sans aucun souci, et c'est ça qui nous donne l'assurance qu'il y aura des élections dans ces deux provinces. Sous l'état de siège, Anita Lomba. De retour dans les provinces sous état de siège, pensez-vous que cette mesure a rencontré les attentes du chef de l'État, surtout de la population locale, puisque les exactions continuent dans la partie est de la République? Doit-on continuer à traquer les ADF et consorts et compagnie en nous associant toujours avec l'Ouganda et le Rwanda, sachant qu'ils sont un peu jugés partis? Pourquoi ne pas renforcer nos forces loyalistes? Je pense que ce sont des opérations concomitantes. C'est comme ça que je vais les définir et les décrire. Lorsque le gouvernement est installé, première action, j'insiste, d'ailleurs première décision du Conseil des ministres, c'était le 3 mai de l'année passée, l'installation de l'état de siège. Et donc nous disons, parce qu'il y a eu une demande de la population, face à cette exaspération de cette insécurité récurrente depuis plusieurs années, de pouvoir mener des actions pour éradiquer totalement cette insécurité. Nous mettons en place l'état de siège avec, d'abord, pour commencer, l'installation des autorités militaires, et par la suite, à partir du moment où nous démarrons les opérations, et que dans la poursuite contre ces forces négatives, nous nous rendons compte qu'il y a des liens avec les autres pays voisins, notamment l'Ouganda, parce que rappelez-vous que lorsque les attentats terroristes se manifestent ici en République démocratique du Congo, notamment à Beni, il y en a aussi qui se manifestent en Ouganda, menés par les mêmes forces négatives, à savoir les ADF. Et donc, il faut s'attaquer au problème. Il faut faire un partage d'expériences, parce que à ce moment-là, d'ailleurs, dans la plupart de nos opérations, on se rend compte qu'il y a beaucoup de représailles. Du fait que nous nous attaquons aux bastions dans lesquels étaient installés les ADF-MTN, ils se disséminent à travers les villages et continuent d'endeuiller nos populations. Et ça, c'est notre plus grande préoccupation. Et donc, si il faut préserver la vie des Congolais, il faut mettre tous les moyens en œuvre. Dans cette stratégie, la mutualisation des forces pour avoir une plus grande puissance de feu et éradiquer ce phénomène qui n'a que trop duré ici en République démocratique du Congo. Oui, Monsieur le Premier ministre, dans un passé récent, si je me rappelle bien, le ministre de la Défense nationale avait dit devant la représentation nationale que l'état de siège souffrait d'un manque de coordination et de planification. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je pense pas que ce serait l'avis que moi je donnerais. Je dirais que lorsque nous avons commencé les opérations, nous avons décelé des faiblesses. Parce qu'il faut le dire, je ne vais pas ici mâcher les mots, des faiblesses, parce que, rappelez-vous, que nous sommes retrouvés dans des cas où il y avait des ravitaillements qui n'arrivaient pas. Nous sommes retrouvés dans des cas où l'effort de guerre qui est payé à tous ces soldats
qui sont sur le terrain et qui sacrifient leur vie n'arrivaient pas. Et donc, il nous fallait aller constater que dans le commandement, il y avait des failles. Et de ce point de vue-là, il fallait apporter des corrections. Donc, faiblesse, certainement, qu'il y en a. Et je ne peux pas dire qu'elles sont complètement éradiquées. C'est un travail en cours, parce que n'oubliez pas, ce sont des opérations qui se mènent depuis des années. Ce sont des contingents qui sont restés là plusieurs années et qui n'ont pas été renouvelés. Et c'est normal que nous connaissons peut-être ces difficultés. Et tous les jours, nous apportons des correctifs. Tous les jours, nous apportons des renforts pour pouvoir corriger cette situation. Monsieur le Premier ministre, nous avons fait le tour des provinces. Nous vous remercions pour l'occasion que vous nous avez donnée de ces provinces aux états de siège. Vous avez rencontré députés provinciaux, députés nationaux, gouverneurs, sociétés civiles, FEC. Tous demandent la fin de cet état de siège. Bémol, un notable du Litouri, le notable Faustin Dzbo Kalogi, 84 ans, beaucoup d'expérience, dit peut-être oui à la fin de l'état de siège, mais demande un état intermédiaire, que le retour à l'état où les provinces étaient dirigées par des gouverneurs menacés par leur assemblée provinciale. Le président de la République l'avait d'ailleurs dit au cours d'un discours sur l'état de la nation. Dans cet état de siège, dans ces provinces sous état de siège, dans le même temps, on voit que notamment les régies financières doublent leurs recettes par deux. Alors, quel est le juste milieu entre finir cet état de siège que certains demandent, continuer un état de siège où la population dit voir plus de résultats, et au milieu, cette sagesse, la notabilité de Litouri, qui dit tout sauf un retour à l'état d'avant. Bon, pour commencer, je vais rappeler, et vous faites bien de le dire, que je viens de la zone, effectivement. J'ai fait non seulement le Nord Kivu, mais j'ai fait Litouri récemment. Et c'était pour aller au-delà de ce que nous présentons comme évolution de la situation, chaque fois que nous nous présentons au Parlement, évolution de la situation de l'état de siège, je veux le dire, obtenir aussi de toutes les couches de la population de ces deux provinces leur ressenti sur l'évolution de l'état de siège. Et donc, nous avons rencontré non seulement les autorités provinciales qui sont actuellement en VE, les députés provinciaux, les gouvernements provinciaux, mais nous sommes allés au-delà, nous avons rencontré les chefs coutumiers, nous avons rencontré la société civile, mais nous avons aussi reçu les rapports qui devaient nous être donnés par les autorités militaire. Alors, deux constats, et c'est là où vous êtes arrivé. Effectivement, sur les opérations militaires, des plaintes qui viennent de la population, surtout des zones indiquées. Je les ai mentionnées, c'est beaucoup plus le Nord Kivu, le nord du Nord Kivu, si je peux le dire ainsi, c'est Beni, c'est le nord de Beni, c'est Irumu. Dans ces zones-là, les populations sont assez, je vais dire, exaspérées. Parce que tous les jours, elles connaissent et elles continuent à connaître des pertes en vies humaines. Et donc elles demandent à ce qu'on puisse redéfinir notre stratégie, notamment d'abord en ayant une police de proximité plus accrue, parce que maintenant que les opérations militaires sont suffisamment avancées, ce sont les petites localités qui ont besoin d'être protégées. Donc police de proximité, première demande. Ensuite, elles demandent à ce que pour les zones qui ne connaissent plus le même niveau de violence, il faudrait peut-être revenir à la normale. Mais d'un autre côté, nous avons effectivement des autorités militaires qui montrent qu'il y a plus de ressources au niveau des provinces, il y a plus de travaux qui se font au niveau des infrastructures. Mais nous disons ces avancées, c'est des acquis. Il faudrait les maintenir, quelle que soit la décision qui sera prise après. L'état de siège reste un état exceptionnel qui a été pris. Et aujourd'hui, sur base du rapport qui nous a été fait, une feuille de route doit être définie. Parce qu'on nous a, même si l'état de siège doit être maintenu, on nous a quand même demandé de donner un horizon pour qu'on sache plus ou moins quand est-ce que il va prendre fin. Surtout que nous avons des programmes de développement
à la base qui viennent, surtout que nous avons des élections, vous l'avez mentionné. Et donc, il y a une inquiétude que si jamais ça perdure, ça pourrait les mettre à mal par rapport à ces deux objectifs. Vous avez un délai, vous savez quand cela pourrait se terminer ? En tout cas, pour nous, le plus tôt possible, parce que n'oubliez pas, et j'aime beaucoup cette réponse qui avait été donnée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de dire que l'état de siège qui a été mis en place sera levé lorsque les conditions qui nous ont amenés à le mettre en place auront suffisamment changé sur le terrain. Et donc nous, nous attendons que aujourd'hui, c'est plus redéfini dans une zone, oui, mais il y a encore des exactions. Aujourd'hui, il y a une recrudescence par rapport à nos forces armées locales, il ne faut pas l'oublier, on a le CODECO qui continue à nous aider, récemment le M23, et donc c'est important qu'on puisse aussi se focaliser sur ça. Après l'état de siège, la restauration de l'état de l'autorité de l'État et l'instauration d'un réel état de droit. Question. On a reçu plus de 1000 questions pour vous, pour cette émission. Une question qui revient beaucoup. Est-il possible sans justice, que le président semble avoir décrit d'ailleurs dans un récent discours sur l'état de la nation, cet état de droit, est-ce qu'il est possible de le rétablir dans l'arbitraire et dans la corruption ? Je pense que vous avez déjà la réponse, Christian. Je m'étonne même que vous puissiez me la poser. En réalité, bien sûr que non. On ne peut pas aller vers un état, je vais dire, de droit, où il y a l'autorité de l'État, sans avoir un appareil judiciaire adéquat. Qu'est-ce qui est fait alors pour que cela aille mieux ? Je crois que je vais peut-être revenir un peu en arrière et rappeler peut-être le contexte dans lequel le gouvernement arrive en fait aux affaires. Et je vais peut-être choisir deux ou trois secteurs. Après, vous pourrez l'extrapoler dans le reste des secteurs. J'en prends un, la fonction publique. Lorsque nous arrivons, nous avons une vice-primature de la fonction publique avec même pour rôle de la moderniser, cette fonction publique. Mais donc, il faut faire un constat. Comment est-ce que vous modernisez un appareil qui et pour lequel vous n'avez pas les effectifs ? Comment évoluer ? Comment vous faites lorsque vous vous rendez compte que la mise à la retraite qui devait être assurée ne l'a pas été ? On a donné des exemples choquants, d'ailleurs, pour moi, parce que, on l'a dit, le fonctionnaire le plus âgé est âgé de 110 ans. 110. Après, ça, c'est des choses que nous, on trouve. C'est le constat. Ça, c'est dans la fonction publique. Après, on peut aller dans un autre secteur, qui peut être celui de la magistrature. On se rendra compte qu'il y a les mêmes problèmes. Et donc, tous ces secteurs demandent à ce que nous puissions avoir des réformes. C'est pour ça que ces réformes que nous avons, nous, fixées parmi les axes prioritaires de notre gouvernement sont importantes, parce que je l'ai dit, nous posons la base, nous donnons les moyens de notre politique, et puis nous mettons en place l'architecture. L'architecture, c'est celle-là. Comment arriver à une bonne justice si jamais celle-ci n'a pas été restructurée parce qu'elles ont montré ses limites. Mais c'est pas possible d'arriver vers, effectivement, cet état où nous avons un état de droit consolider si nous n'avons pas ça. Et d'ailleurs, tous les corollaires y sont liés. La justice, c'est aussi le socle du climat des affaires. Et donc, tout un travail se fait là-dessus pour arriver à améliorer la situation. Voilà, nous allons parler de la pacification entre les communautés. Il y a quelques années, les conflits des communautés de l'espace Grand Kassai et du Katanga ont quand même refait surface. Vous venez de Lubumbashi d'assister à une table ronde pour la paix. Est-ce que pensez-vous que cette fois-ci, ça serait vraiment la bonne et ce conflit serait terminé à jamais ? Je pense que c'est le début d'un bon processus. Je le dis parce que, phénomène observé depuis plusieurs années et aujourd'hui de manière un peu plus accrue. Donc il faut poser la question. En abordant le sujet sans mettre des gants, sans tabou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la crise, elle est d'abord économique. Nous avons des cours des métaux extrêmement hauts qui font que
toutes les carrières artisanales sont prises d'assaut en termes d'achat de minerais. Et donc, pour tout jeune en quête d'emploi, en quête de moyens pour subvenir à sa vie ou se projeter dans un avenir, se dit que c'est là qu'est la solution. Surtout lorsqu'il voit son voisin partir et le rappeler deux ou trois semaines après pour lui dire que ici ça va mieux, c'est l'occasion de venir. Donc on assiste à un flux migratoire massif, un exode rural. Mais pourquoi, justement, Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on ne peut pas développer la province du Kasaï? Parce que on parle de ça. Pourquoi est-ce que ces populations, il y a ce déplacement massif des populations vers la province du Katanga? Mais je l'ai dit, c'est économique. D'où le besoin d'avoir toutes les autorités qui sont concernées par la question. Nous avons aujourd'hui tous les gouverneurs de l'espace Grand Kasaï qui sont à Lubumbashi, et tous les gouverneurs de l'espace Grand Katanga qui sont aussi à Lubumbashi, c'est pour pouvoir discuter de ces questions et dire, pour ceux qui sont dans le Grand Kasaï, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à limiter ces mouvements et arriver à apporter un certain équilibre, parce que n'oublions pas que par la suite, il y a des corollaires, si jamais je peux le dire ainsi, au niveau politique, qui vont s'en suivre, des déséquilibres qui vont se faire. Même du point de vue du développement des provinces qui se privent de leur jeunesse, parce que du point de vue développement ou bien du point de vue taxation, elles n'en auront pas, ou bien d'une surreprésentation finalement dans d'autres zones, parce qu'ils auront plus d'élus que d'autres, mais de manière déséquilibrée, comme je l'ai dit. Donc, ces discussions, nous les faisons, c'est pour apporter une thérapeutique économique dans les zones du Kasaï, à court, moyen et long terme, et arriver à faire participer, après que les politiques aient scruté les besoins économiques, utiliser les associations socioculturelles et toutes les forces vives pour arriver à faire une sensibilisation et changer la donne. Nous allons prendre le son d'un auditeur qui vous a envoyé une question. Je crois que la régie va nous balancer ce son parce que vous êtes face au public. Bonjour Top Congo. Ezangande onabino Ali Beya depuis Chikapa. Nalingaki na interpellé conscience à Premier ministre chef de gouvernement. Pona nini génocide na Congo ezo si la te ba manière nini initiative nini ya koki ko bungisa pena ko instruire ba ministre mususu o baza concerné na kawana. Po basili sa vraiment likambo ya génocide. Biso nyonso toza ba congolais. Province ya Katanga na biso ba Kasaïen, il paraît que to ute sika moko. Mais ces mères de troubles wana, pona nini bakoki ko engendre, bakoki ko orienter te ba baluka manière nini ya koyeba mutu azo semer ba trouble nyonso wana. Biloko nyonso wana zo uta na bactère politique ne bazo instrumentaliser population katangaise po ba kotisa tribalisme na population. Pona nini ye en tant que chef du gouvernement akoki ko pesa te mayele na ba na ministère nyonso eza concerné na likambo wana bako bameka kozwa solution na problème ya tribalisme na Congo. Vraiment biso bakasae toza vraiment négligé, toza beaucoup attaqué partout na ba province nyonso. Bisika nyonso okoki ko se présenter que oza kasae oza mal vu. Pona nini? Nini zo sala po toza na marque wana? Je crois que dans le passage récent que moi j'ai fait lorsque je suis allé justement lancer ces échanges, nous avons eu l'occasion de parler avec les deux communautés. Et effectivement, ce qui est ressorti en premier, c'était de dire, en tout cas pour les populations accueillantes, ça veut dire que celle du Grand Katanga, qu'il fallait absolument un respect des us et coutumes et des mœurs. Ça veut dire que lorsque l'on vient dans un village, je donne un exemple simple, le chef du village vous identifie, il vous montre là où vous pouvez cultiver, il vous donne quelques prescriptions, exemple, ici on ne puise pas l'eau la nuit, et donc vous devez respecter ces spécificités-là. Et donc ça a été dit clairement, et je crois que le plus important dans le message qui a été donné de la part de toutes les communautés,
c'est qu'elles veulent toute la paix. Mais c'est comment consolider cette paix, cette cohabitation dans ce respect mutuel. Et puis, bien sûr, à côté de ça, on a parlé du respect de l'autorité. Et je pense que de ce côté-là, puisque je suis sur ce plateau et que nous parlons de restauration de l'autorité de l'État, c'est quand même un message de sensibilisation qu'il faut donner à toutes les couches de la population. L'incident est parti du fait d'une régulation qu'on a voulu faire par rapport à la circulation des motocyclistes. Tout le monde doit respecter la loi lorsque on la fixe. Ici, des fois, on assiste à des phénomènes pour la même catégorie où il n'est pas permis de monter sur le saut de mouton. Mais nous voyons quand même ces cas se produire. Et donc, pour moi, c'est une interpellation, peut-être une exhortation que je voudrais faire ici à toutes les couches de la population, que si jamais on veut l'autorité de l'État, eh ben, il nous appartient aussi à nous toutes et à nous tous de respecter les lois qui sont édictées par la République. Monsieur le Premier ministre, les indicateurs macroéconomiques sont au vert, comme déclare votre gouvernement des Warriors. Les caisses de l'État sont renflouées grâce à la maximisation des recettes par les régies financières. Pourtant, dans le panier de la ménagère, ça sonne creux. Pourquoi ce paradoxe ? Je crois que je vais d'abord revenir, et là, c'est toujours important que je revienne au contexte. Le contexte que moi ici je voudrais mentionner, c'est que lorsque le gouvernement est mis en place, il arrive en pleine pandémie. Nous avons une pandémie qui affecte l'économie de l'État. Nous trouvons une décroissance du point de vue de notre croissance, justement. On quitte les 6% vers les 4% avec une tendance à la baisse. Et il nous appartient à nous de maintenir notre croissance, de l'élever, ce qui a été le cas, parce que depuis, on a bien évolué. Et pour arriver, justement, à améliorer ces conditions sociales, il faut absolument améliorer notre cadre macroéconomique. Et donc, nous nous concentrons sur deux aspects. Premièrement, la bonne gouvernance. La lutte contre le coulage des recettes. Et ici, au passage, il faudrait saluer, bien sûr, le travail que nous avions déjà trouvé en cours fait par l'Inspection générale des finances. Et par la suite, il nous faut, une fois que nous avons consolidé ça, arriver vers ce contrat que nous voulons avoir avec le Fonds monétaire international. Parce que depuis 11 ans, il faut le rappeler, un objectif fixé, mais pas atteint. Et donc pour y arriver, il faudrait que des signaux clairs soient donnés. Non seulement sur la maximisation des recettes, mais sur la qualité de la dépense. Aujourd'hui, moi je pense qu'on peut affirmer que sur ces deux vecteurs, nous avons su faire nos preuves. Ce qui nous a amené au contrat que nous avons eu avec le Fonds monétaire international et qui, par la suite, nous permet non seulement d'avoir des fonds qui nous permettent d'améliorer nos réserves de change, parce qu'il faut commencer par là. Nous arrivons à des réserves de change de deux semaines à peine, qui couvre seulement deux semaines. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 13 semaines. Et donc, tout cela concourt au bien-être et finalement va déboucher à cette amélioration des conditions sociales. Donc, moi, je préfère quand même revenir sur les conditions dans lesquelles nous sommes arrivés, la pandémie que nous avons trouvée, les recettes telles qu'elles avaient été définies, parce que n'oublions pas que nous, non seulement en tant que gouvernement et dans les efforts qui sont faits, et ça, c'est toute l'équipe qui y travaille. Nous arrivons à dépasser les prévisions budgétaires prévues pour l'année 2021. Nous arrivons à avoir un budget pour 2022 de plus du tiers de celui de 2021. Et nous sommes sûrs, parce que nous sommes encore sur le cap, indépendamment des faits exogènes, notamment même de la guerre en Ukraine aujourd'hui, d'atteindre ces objectifs. Après, je pourrai aller sur certaines explications, certains détails, pour donner, en fait, comment cela impacte le social de tous les Congolais. Avant de prendre la question d'un autre auditeur, je voudrais quand même savoir, puisque vous dites que le cadre macroéconomique est maîtrisé, mais qu'est-ce qui explique cette flambée de prix sur le marché ? Bon, je vais d'abord commencer par, j'en ai parlé, l'effet exogène.
Lorsque la guerre en Ukraine démarre, beaucoup de voix se lèvent, des pour, des contre. Mais nous, d'abord la guerre, de par notre histoire, on ne peut pas la soutenir parce que ça crée des morts. Mais au-delà de ça, parce que c'est important de le dire, nous regardons les effets de cette guerre. Il a fallu que nous puissions avoir ces exactions entre la Russie vis-à-vis de l'Ukraine pour constater qu'une grande partie de l'Afrique dépend de l'Ukraine vis-à-vis de son importation de blé. Ça, ce n'est qu'un exemple. Et je peux vous en donner tant d'autres. Et donc, à partir du moment où nous avons la pénurie d'une denrée, notamment celle du blé, on prend, pour tous ceux qui sont dans le secteur de la panification, par exemple, réalisent qu'ils doivent s'adapter vis-à-vis de la pénurie à venir. Et nous avons la même chose dans le secteur des hydrocarbures. Et je pourrais donner des détails aussi là-dessus. Et donc, les importateurs locaux ou étrangers qui sont sur place anticipent sur le prix. Ils se disent, étant donné qu'on va avoir une pénurie, si le prix augmente et que moi je continue à vendre au prix auquel je vends actuellement, je ne saurais pas me réapprovisionner en stock. Et d'où nous vivons ces menaces en termes de hausse de prix. Mais nous, nous rappelons les opérateurs économiques et disons, nous devons regarder dans la même direction. Nous, nous avons des objectifs sociaux à respecter. Il faudrait que nous puissions protéger la population. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas ces projections ensemble? Parce que si nous le faisons ensemble, nous savons apporter des correctifs qui vont vous permettre, indépendamment de la hausse des prix à l'extérieur, de ne pas le repercuter de manière violente sur la population ici en République démocratique du Congo. Et ces échanges se font. C'est comme ça que vous verrez que, par exemple, pour le ciment, nous avons décidé d'exonérer d'une certaine manière, du point de vue de la TVA, pour réduire le choc et ne pas permettre une hausse trop brutale du prix du ciment. Et nous avons d'autres produits tels que le riz, le sucre, et ainsi de suite. Pour le carburant, c'est beaucoup plus difficile. Les prix ont doublé. Oui, c'est de ça que j'étais en train de parler, madame. Mm-hmm. Ça veut dire que nous nous mettons avec eux pour leur faire comprendre qu'à partir du moment où nous importons ces correctifs, c'est pour que cela ne se répercute pas de manière violente sur la population. Et nous insistons là-dessus. Vous avez donné... Il y a des exemples précis, parce que moi-même aussi, on me les a donnés. J'ai suivi beaucoup de reportages sur la télé sur la montée du prix de l'huile, par exemple. Oui, oui. Parce qu'il y a une pénurie mondiale. Même en Europe, aujourd'hui, lorsque vous allez dans les rayons, ils sont vides. Il n'y a pas d'huile. Et donc, ici aussi, il y a une répercussion. Et cela nous donne une autre réflexion. Aujourd'hui, non seulement on doit penser à capitaliser cette crise et se dire, puisque nous sommes tant dépendants de l'extérieur du point de vue de notre alimentation, est-ce qu'il n'est pas temps de revenir sur la production locale? Et donc toutes ces réflexions se font pour que, non seulement du point de vue de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et d'autres secteurs, notamment industriels, qui pourront permettre une amélioration de la chaîne des valeurs ici, nous puissions apporter des solutions en interne plutôt que subir ces faits exogènes. Avant de parler des mesures et des chiffres que vous avancez, parlons un peu de... Regrettons que tout cela arrive, vous avez parlé de l'Ukraine, parce qu'on importe tout. Alors que le président de la République avait parlé de revanche du sol sur le sous-sol. À ce sujet, je vous propose d'écouter cet auditeur, sans que la technique nous permet d'entendre maintenant. Président, dans mon discours, ça me dit à l'élection, il aurait été des priorités, la revanche du sol sur les sous-sols. Une année après, le gouvernement a été éloigné et palpable pour la salle en matière énergétique. Le budget à l'agriculture est exécuté à combien de pourcents? Et est-il satisfait? La réalisation est en haut. Deuxième question, autour de la maille, quel est son modèle? Le premier ministre de l'Union, le premier ministre de premier ministre de l'Union, le premier ministre de
à impacter la gouvernance à répondre à la question. Je vous remercie. Question auditeur, monsieur le Premier ministre. Je ne sais pas si vous préférez me répondre à la première ou la deuxième question, mais bon. Je vais commencer par la première question, parce qu'on en a parlé. J'ai parlé de saisir l'opportunité de la crise pour améliorer notre production ici au niveau local. Et cela passe par ces deux secteurs précis, qui sont le secteur de l'agriculture et celui de la pêche et élevage. Au niveau de l'agriculture, il y a deux vecteurs sur lesquels nous devons nous appuyer. Il y a d'abord une facilitation par rapport aux producteurs locaux. C'est la première chose. Ça veut dire que nous avons, surtout en tout cas dans la zone ouest, le nord de l'ouest, une production qui se fait. Mais comment la cheminer vers les grands centres pour finalement l'écouler ? C'est pas possible de le faire. L'infrastructure. Et donc finalement, ça régresse l'impact que nous pourrions avoir dans ce secteur. C'est le premier facteur, parce que nous, on doit d'abord regarder le producteur local avant de se focaliser sur les grandes productions qui, bien sûr, doivent être aussi accompagnées par le gouvernement. Mais le petit producteur, le producteur local, c'est celui qui doit avoir toute notre attention. Et donc, on réalise qu'il faut aller vers l'amélioration des routes de desserte agricole, il faut aller vers l'amélioration des infrastructures routières pour permettre cet écoulement. C'est ça qui va permettre d'apporter un incitatif assez important du point de vue de l'agriculture locale. Ensuite, maintenant, il y a les moyens à mettre dans les grandes structures et c'est à cela que l'on s'attelle. On est allé sur des questions par zone parce que aujourd'hui, lorsque nous regardons la production telle qu'elle doit se faire, nous avons une production accrue de maïs, par exemple, dans le sud du pays, est moins accru dans le centre, et donc nous réfléchissons sur comment améliorer, du point de vue même des zones économiques, l'agriculture dans le centre du pays, et les moyens à mettre en œuvre. Alors, à côté de ça, nous mettons en place des offices qui vont nous permettre de suivre cette production agricole. C'est à cela que le ministère de l'Agriculture s'attelle actuellement. Il nous faut aujourd'hui réfléchir à comment produire des céréales. Aujourd'hui, nous pensons à remplacer une partie du blé que nous importions par du manioc. Donc il faut aller vers cette amélioration de la production du manioc et améliorer l'acheminement du manioc qui est déjà produit vers les grands centres. Donc tout ceci, c'est la politique que nous appliquons pour pouvoir amener un certain boost dans ce secteur, parce que nous tenons effectivement à amener cette revanche du sol sur le sous-sol, telle que souhaitée par le président de la République. Alors sur la deuxième question, je pense que c'est assez subjectif. Je vais être honnête, simplement parce que c'est difficile de juger une personne ou bien une action et de les comparer sur des périodes de temps différentes, sur des contextes différents. Je pense que au niveau de chaque acteur, de mes prédécesseurs, en tout cas ceux qui ont été Premier ministre, selon les contextes dans lesquels ils étaient, il y a des côtés qui ont pu être améliorés, d'autres non. Mais cela dépend de la durée, cela dépend du contexte. Mais bien sûr, nous avons tous, en tant que Premier ministre, un modèle qui reste le premier des premiers ministres d'entre nous. Ça reste bien Patrice Emery Lumumba, qui reste une référence pour nous. À ce propos, oui, Anita, encore oui. Un... Oui, Christian, nous allons lire la oui. Question d'un auditeur. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Le SMIG n'est pas respecté. Il y a ces entreprises avec plus de 500 employés qui ne disposent pas de délégation syndicale, dans lesquelles les Congolais sont dans un esclavagisme moderne, avec un traitement inhumain et des licenciements abusifs intempestifs. Votre réaction, une question d'un auditeur. Ma réaction, c'est le système d'inspecteurs de travail qui doivent se mettre en place. Je crois que le SMIG, il est fixé, il n'est certes pas à la hauteur tant souhaitée par tous les Congolais, mais il n'est pas respecté à ce niveau-là. Et pour qu'on arrive à le faire respecter, il faudrait accentuer le contrôle. Malheureusement, la plupart des structures, en tout cas économiques et financières, ne fonctionnent que sur base de la contrainte. C'est un constat fait, c'est un peu dommage. Souvent, nous demandons à ce que nous puissions
bénéficier de leur collaboration. Je ne dis pas que toutes se comportent mal, mais dans la plupart des cas, nous avons quand même beaucoup de plaintes. Et pour arriver à corriger cela, il faudrait que nous puissions mettre en place des brigades d'inspecteurs qui vont imposer cette contrainte-là, du point de vue des respects, des droits des citoyens congolais dans le cadre du Code du travail et des conditions de travail. Bien sûr, nous avons reçu un rapport du ministère du Travail dans ce sens-là. Nous avons même adopté le principe d'augmenter le nombre d'inspecteurs du travail, mais nous pensons que cela sera toujours insuffisant. C'est un travail qui doit se faire aussi conjointement avec les provinces pour pouvoir arriver à changer la donne. Mais peut-être que nous allons aller sur un autre modèle. Nous avons, par exemple, du point de vue du civisme fiscal, décidé d'avoir un numéro vert pour dénoncer tout ce qu'il y a comme fraude, corruption, demande de corruption. Peut-être qu'à ce niveau-là aussi, ce serait important d'aller vers un système de dénonciation qui pourrait nous permettre d'agir chaque fois que nous avons ces injustices. Voilà, Monsieur le Ministre, une autre question. Qu'en est-il de la pêche des chinchards namibiens, nous promis par le gouvernement de la République ? Bon, d'abord ici, je vais revenir encore une fois de plus, parce que c'est toujours important que je puisse contextualiser. C'est ça qui va nous permettre d'avoir un meilleur jugement. Au niveau du ministère de l'Économie, qui bien sûr suivent les opérations telles qu'elles sont menées par la plupart des importateurs, une anomalie s'était décelée. Ça veut dire qu'on se dit, tiens, lorsque nous prenons le prix de déclaration des produits surgelés et que nous les répercutons sur le prix qui est mis sur le marché, on se rend compte qu'il y a un décalage. Si jamais on devait juste tenir compte de la valeur CIF, c'est-à-dire le prix déclaré, logiquement, on devrait avoir des prix plus bas. Mais lorsqu'on se met en discussion avec les opérateurs économiques et qu'en faisant un calcul mathématique, on leur demande de baisser les prix et de revenir sur les prix selon leur propre déclaration, nous avons une difficulté avec eux. Nous n'arrivons pas à faire appliquer cela. Et d'où nous disons, il va falloir qu'on puisse s'assurer d'avoir la vérité du point de vue de ces déclarations qui sont faites. Et aussi assurer, bien sûr, parce que c'est social, une certaine distribution de certains produits. Il y en a un qui est ciblé, mais ça devait aller vers d'autres produits. Mais ici, comprenez que le gouvernement avait besoin de fixer... comment je peux l'expliquer ? Le gouvernement avait besoin d'avoir une référence pour pouvoir voir la suite avec les opérateurs économiques, étant donné que le gouvernement n'a pas vocation à faire du commerce. Et donc... nous décidons d'aller vers un quota de pêche qui va nous permettre d'aller vers l'amélioration des prix. Et ce quota de pêche est pris, c'est une quantité donnée. Une partie de cette quantité l'a été en 2021. Et ce sont des produits que nous avons pu voir sur le marché en fin d'année. Et aujourd'hui, ce sont des opérateurs économiques qui doivent prendre le relais. Mais en tenant compte finalement de cette vérité des prix, si jamais je peux le dire ainsi, sur base de l'expérience que nous avons eue nous-mêmes en tant qu'État sur les déclarations qui sont faites. Après, on peut tirer les conclusions sur les pertes et manques à gagner, sur les pénalités qui pourraient se faire au cas où l'État congolais a continuellement perdu du point de vue de sa taxation sur ces produits-là. Ça, c'est un autre débat qui peut se faire, mais pour nous, le plus important, c'était de garantir la vérité des prix. On continue cette émission juste après la pause. Du 2 au 7 mai... Top Congo FM est au Congo central. La fréquence utile déploie ses micros et caméras de Kasangulo à Mwanda. Focus sur une province, richesse et potentiel. Qui sont les leaders Congo ? Vendredi 6 mai, l'élection du gouverneur en direct sur votre radio et sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Pour vos publicités dans ces éditions spéciales, joindre le 081 330 69 96 commercial@topcongo.fm. Tito est coiffeur. Il travaille en France depuis presque 3 ans, loin de sa famille qui vit en RDC. Avant, pour envoyer de l'argent à sa famille, il devait se déplacer jusqu'à une agence de transfert d'argent.
Mais aujourd'hui, avec l'application Easy Direct d'Equity BCDC, plus besoin d'intermédiaire. Il peut transférer de l'argent de la diaspora vers la RDC en utilisant sa carte bancaire directement depuis son mobile et sa famille le reçoit instantanément via les téléphones ou sur un compte Equity BCDC. Un SMS la provient, elle n'a plus qu'à aller retirer de l'argent. C'est simple, pratique, sécurisé, avec des frais d'envoi défiant toute concurrence. Il suffit de télécharger l'application Easy Direct, disponible sur Google Play et App Store. Avec Easy Direct, transférez de l'argent de l'Europe vers la RDC en un clic. Equity BCDC, la banque la plus digitale. Ah, ça c'est mon quartier. Regardez. Elle, c'est maman Esther. En ce moment, elle commence tôt. Elle espère gagner un peu plus et envoyer de l'argent à son fils. Il vient d'avoir une fille. Ah, la belle Gladys. Elle a commencé ici avec une toute petite boutique. Aujourd'hui, elle a du succès jusqu'à Lubumbashi. C'est une battante, Gladys. Ça, c'est tonton Freddy. Tous les mois, il vient payer sa facture en retard parce qu'il oublie. Mais il n'oublie jamais d'être là pour sa fille. Et moi, vous allez dire, comment je sais tout ça? Eh bien, parce que je suis Mokonzi Amasolo. Parce qu'on se connaît et que vous aimez partager avec vos proches. Profitez des meilleurs tarifs d'envoi et de retrait d'argent. Du 2 au 7 mai, Top Congo FM est au Congo Central. La Fréquence Utile déploie ses micros et caméras de Kasangulo à Mwanda. Focus sur une province, richesse et potentiel. Qui sont les leaders Congo? Vendredi 6 mai, l'élection du gouverneur en direct sur votre radio et sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Pour vos publicités dans ces éditions spéciales, joindre le 081 330 69 96 commercial@topcongo.fm. Retour dans cette émission face au public, un an après, que retenir du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé avec le Premier ministre. Merci de votre présence et un public nombreux ici au studio Mama Nguebi à la RTNC. Alors, avant de passer au volet social, un petit retour sur le volet politique. En ce moment, se déroulent à Nairobi des discussions entre le gouvernement et les groupes armés. Pourquoi maintenant, alors que dans le même temps, on semblait ou vous sembliez dire que l'état de siège allait mettre un terme à tout ça? Deux choses ici à mentionner, parce que là, on est dans un volet diplomatique. Je voudrais d'abord ici affirmer toute l'action diplomatique à saluer de son Excellence Monsieur le Président de la République. Non seulement dans l'année qu'il a passée à la tête de l'Union africaine, avec des résultats probants, palpables, surtout dans l'axe dans lequel lui-même s'était inscrit, à savoir la culture et le patrimoine, et qui a permis d'ailleurs, parce que ici c'est mieux quand même que je le mette entre parenthèses, de revenir sur ce couronnement que nous avons eu par rapport à la rumba, qui est désormais au patrimoine immortel. Et puis ces retours que nous allons avoir non seulement de notre patrimoine qui avait été pris dans l'époque coloniale, mais aussi au retour des reliques du premier des premiers ministres, Patrice Emery Lumumba. Et toute cette action qui avait déjà été mise de manière accrue diplomatique s'est poursuivie, non seulement au niveau de la SADC, où vous savez, nous avons réaffirmé notre position, et avec même pour ambition d'occuper des postes précis dans l'exécution de ces organes, et revenir en tout cas sur la scène diplomatique avec une plus belle image. Non seulement, et cela s'est fait, résorber tout ce que nous avions comme arriéré, l'ardoise est lourde, mais arriver à travailler sur l'amélioration de l'image de nos représentations, ou même leur redéfinition. Nous avions annoncé ça en tant que programme, nous sommes en plein dedans, nous sommes lancé définitivement dans cette action, et les résultats sont palpables. Maintenant, à côté de cela, oui, une adhésion à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, et à partir du moment où nous adhérons à cet organe, il y a bien sûr un impact politique et sécuritaire, parce que c'est toute la zone qui est impactée par l'insécurité que nous avons ici. D'où cette question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo qui est mise sur la table, avec problématiques
bien sûr des ADF, qui sont un groupe terroriste, mais plus loin, sur les groupes locaux et les interactions. C'est une zone, je l'ai rappelé, plus de 20 ans d'insécurité, avec des déplacements entre les frontières, que ce soit de l'Ouganda vers la République démocratique du Congo, du Rwanda vers la République démocratique du Congo, mais aussi de l'Ouganda vers la République démocratique du Congo. Et donc une approche de se dire, vaut mieux trouver une réponse globale. Et tant qu'on peut faire économie de vie, ben, non seulement le gouvernement de la République ne reculera pas, parce que c'est ça la plus grande attente de la population, c'est que notre population cesse d'être endeuillée. Bien sûr, il y a des signaux maintenant à donner dans le travail qui doit être fait par rapport à ce que moi j'appelle des consultations. D'autres sont allés sur des termes comme négociation. Moi, le terme que j'utilise, c'est des consultations qui sont faites de ces groupes armés, mais dans une optique de reddition, parce que nous, ce que nous demandons dans l'action militaire que nous avons, c'est d'aller vers ce programme qui nous avait été demandé d'être mis en place, et nous sommes en train de le mettre en place, c'est-à-dire le programme de démobilisation, de désarmement et de réinsertion sociale, le PDDRCS, de sorte que nous puissions pacifier la zone et apporter un certain développement. Et c'est cette optique dans laquelle nous, on est tourné, c'est d'amener toutes ces forces négatives vers ce programme. Et c'est sur ça que nous allons rester déterminés. Mais bien sûr, pour celles qui ne voudront pas s'inscrire dans un schéma de paix, les opérations militaires ne vont faire que s'accentuer pour que nous puissions les éradiquer. Voilà, Monsieur le Premier ministre, le Président de la République avait réaffirmé à Nairobi la matérialisation du processus de reddition inconditionnelle des troupes armées. Pour ce faire, justement, vous venez de le dire, un énième programme national de désarmement a été mis sur pied. En quoi est-ce que celui-ci serait plus efficace que les précédents ? Parce que nous revenons sur les failles des précédents. N'oubliez pas que c'est un programme que nous faisons avec des partenaires qui sont non seulement les pays de l'Europe, mais aussi les États-Unis. Mais nous avons aussi des programmes qui veulent bien nous accompagner, notamment la Banque mondiale, dans ce processus de désarmement, parce que processus intégrateur et qui permet aussi le développement de la zone. Et avec ces acteurs, nous revenons sur ceux qui ont été les failles du passé. C'est de dire qu'il y avait un fonctionnement, je vais dire centralisé, qui ne permettait pas d'avoir une action efficace sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons vers un PDDRCS décentralisé, avec des acteurs à la base qui seront plus responsabilisés que par le passé. Et toutes les interactions, tous les financements iront directement vers ces coordinations provinciales qui sont directement sur le terrain et qui pourront avoir une action beaucoup plus efficace. Nous pensons que ça, c'est l'une des premières mesures qui va nous permettre d'atteindre l'objectif. Mais bien sûr, à côté de cela, c'est une question de personne, c'est une question de la qualité du travail qui doit être abattue. Nous restons déterminés sur le fait qu'avec la nouvelle coordination qui a été mise en place, nous allons atteindre ces objectifs. Passons maintenant au volet social et culturel. On va parler salaire des fonctionnaires, on va parler ministère du Travail, mais on va parler aussi gratuité de l'enseignement. L'éducation nationale au niveau secondaire et primaire devient une priorité de seconde zone au regard du traitement réservé par le gouvernement Samalou Kondé aux enseignants. C'est un message d'auditeur. Au Sankourou, dans les territoires de Kolé, de Lomela et de Katako, les élèves ont quitté l'école par manque d'enseignants impayés depuis près de 5 mois. Quel avenir réservez-vous à cette population du Sankourou alors que vos enfants, à vous, ministre et Premier ministre, étudie normalement en Europe. Question d'auditeur. Programme phare, gratuité de l'enseignement, programme que nous trouvons, nous, en tant que gouvernement, parce que volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir, selon la Constitution, la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Et donc, lorsque nous arrivons, diagnostic doit être fait aussi de ce côté-là, pour savoir quel est l'état des lieux et comment est-ce que nous améliorons ce programme ambitieux. C'est un programme ambitieux, il faut vraiment le dire ainsi, parce que multidimensionnel. Parce que qui dit gratuité de l'enseignement dit accroissement des élèves attendus dans les classes, dit multiplicité des infrastructures scolaires,
dit amélioration de la qualité de l'enseignement qui peut être impacté par le nombre d'élèves, d'où formation, et dit aussi maîtrise des effectifs du personnel enseignant et l'amélioration de leurs conditions. Et ici, je ne veux pas rappeler que dans tous les secteurs, au moment où le gouvernement se met en place, nous avons des grèves. Que ce soit le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, la fonction publique elle-même, et un peu plus loin, récemment, le corps professoral dans les universités, parce que des engagements pris par l'État et non respectés. Mais continuité de l'État l'exige, en tant que gouvernement responsable, nous devons revenir vers les promesses qui avaient été faites et voir comment améliorer les conditions des enseignants. Oui, mais et donc, pour revenir sur la question que vous avez posée par rapport à ce point de la République qui a connu ses difficultés, c'est la résultante, justement, non prise en compte du personnel enseignant. Et puis d'autres difficultés d'ordre structurel. Je vais les donner. Et la prise en compte aujourd'hui, moi je peux donner des indications, lorsque nous arrivons, c'est 400 000 enseignants qui sont pris en compte, 410 000 pour être plus précis, aujourd'hui nous sommes à 600 000. Et la progression continue, pour qu'on arrive à garantir la couverture au niveau national du nombre d'enseignants qui peuvent être mis en compte, et puis améliorer leurs conditions sociales. Là aussi, et ça va se répercuter sur le reste de l'administration, c'est que nous revenons sur les engagements qui avaient déjà été pris, l'accord de Bibois, et de dire, ok, selon les enveloppes budgétaires que nous avons, comment nous abordons la question de manière progressive, avec des engagements pris et respectés, pour qu'on puisse s'assurer de maintenir cette gratuité de l'enseignement. Et maintenant s'attaquer aux autres défis que j'ai mentionnés, notamment les infrastructures et autres. Mais lorsque nous sommes dans un contexte où nous avons aussi un manque en termes d'infrastructures financières, nous nous retrouvons avec ce type de difficultés. Où nous avons des zones du pays qui ne sont pas couvertes par des banques accréditées. Et où les enseignants, malheureusement, sont obligés de parcourir des milliers de kilomètres pour arriver à être payés. Tous les jours, nous travaillons sur un système qui va permettre de réduire ce manque criant. Mais c'est là la cause de ce que nous avons vécu et nous travaillons pour améliorer ce système. Mais n'oubliez pas que c'est une toile très complexe, mais que tous les jours, on s'attelle à améliorer. Je ne vais pas parler de l'enveloppe salariale elle-même, parce que lorsque nous arrivons, nous la trouvons à 70 milliards de francs congolais. Aujourd'hui, elle a plus de 160 milliards. C'est des efforts accrus, parce que souvent, des fois, on nous demande sur l'augmentation des crédits que nous avons, où est-ce que ça va ? Actuellement, parce que nous avons cette responsabilité sociale, c'est les rémunérations, avant d'aborder les autres aspects d'investissement et des infrastructures. Des salaires qui continuent d'ailleurs d'augmenter, nous a récemment annoncé le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Justement, pour parler augmentation des salaires, avant de donner le micro à Anita Luamba, c'est un auditeur qui est dans la salle qui va vous poser une question. Il a enregistré tout à l'heure. Son nom, c'est Jordan Vidali. Écoutons, je crois que ce sera sur le ici derrière, écoutons ce que la question que vous pose cet auditeur. Ma question était de savoir, pour monsieur le Premier ministre, je voulais demander à monsieur le Premier ministre, si on est où avec les systèmes ou les programmes qu'il avait dit au mois d'avril, si je me rappelle, l'année passée, sur les programmes de retraite pour les fonctionnaires de l'État. Et ma deuxième question était de savoir si une personne a été enregistrée pour être retraitée et après, en entendant qu'il était en train d'attendre son recrutement, sa retraite plutôt, ces personnes-là est mort. Donc je ne sais pas si son argent sera mis à la banque pour l'État ou son argent sera remis à sa famille. C'est un peu ma question. Voilà, donc il n'a pas parlé que des salaires. On va parler des salaires, oui. Lui, il vient directement sur un problème de rémunération sociale. Je vais commencer peut-être par le deuxième volet de la question. C'était sur la mise à la retraite. Bon, il a dit que c'était exactement en avril l'année passée, donc ça devrait être probablement le jour de mon investiture.
La mise à la retraite, effectivement, est un engagement qui est une obligation même du point de vue des responsabilités de l'État et du gouvernement. J'ai donné l'exemple au niveau de la fonction publique de l'agent le plus âgé et je peux donner plus ou moins un chiffre du personnel qui est éligible à la retraite. C'est plus ou moins 300 000 personnes qui sont éligibles à la retraite, mais qui sont encore dans le système. Et là-dedans, il y a un assainissement à faire. Assainissement, parce que peut-être, et ça a été mentionné, il y en a parmi eux, d'autres qui malheureusement ont perdu la vie, sont décédés, mais comme le système n'a pas bien fonctionné, ne le déclare pas pour pouvoir continuer à bénéficier d'une rémunération qui peut subvenir aux besoins de la famille. Mais il ne faut pas oublier que la mise à la retraite est un droit, et ces 30, finalement, lorsqu'on est à la retraite, reste aussi un droit tout aussi affirmé. Et donc, nous, aujourd'hui, nous avons décidé de mettre un accent sur la CNSAP, qui est, bien sûr, la Caisse nationale de sécurité sociale de la fonction publique, pour assurer, au fait, cette mise à la retraite. Et nous voulons aller par paliers. À ce stade, c'est 20 000 qui ont été ciblés, qui pourront aller à la retraite, avec un double impact. Non seulement permettre à ce moment-là d'absorber une certaine quantité de nouvelles unités, qui elles aussi, malheureusement, ne bénéficient pas de salaire, mais d'un autre côté, assurer l'amélioration des conditions du fait que nous arrivons à accroître l'enveloppe salariale au niveau de la fonction publique. Donc c'est un travail qui se fait, nous allons continuer là-dessus sans désemparer. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a annoncé l'augmentation de 30% sur les salaires des fonctionnaires, donc pour le premier trimestre, 45% pour le mois de juillet. Mais les concernés, eux, pensent que c'est comme une goutte dans l'eau, parce que cela n'améliore pas le pouvoir d'achat qui est quand même un peu trop faible. Je pense que... je veux peut-être utiliser l'expression qu'il faut regarder le verre à moitié plein plutôt que le regarder à moitié vide. Ici, lorsqu'on parle d'augmentation de 30%, c'est une moyenne. Ici, nous avons visé les catégories, je vais dire les plus basses, parce que ce sont celles-là qui étaient les plus affectées. Je donne l'exemple du huissier de la République, qui était à 160 000 francs, et dont on a décidé de porter le salaire à 242 000 francs. C'est une augmentation de 80 000 francs. Certes, individuellement, surtout avec la hausse des prix, cela ne peut pas être totalement ressenti, mais lorsque vous vous dites que nous avons plus de 600 000 huissiers, que vous faites la multiplication, ben vous voyez l'impact sur la République. Et sur le nombre d'un minimum de 2 millions de fonctionnaires jusque-là répertoriés, parce que nous continuons l'assainissement, vous pouvez juste imaginer l'impact sur le budget. Mais nous, ici, et ça c'est pour vraiment affirmer que du point de vue social, nous voulons l'amélioration des conditions de l'agent public, nous avions commencé des discussions avec l'intersyndicale de la fonction publique pour nous assurer de voir comment est-ce que nous approchons. Et je l'ai dit, démarche progressive, parce que on ne peut pas répondre à tout et à toutes les difficultés au même moment. J'aurais bien voulu, certes, mais ici ce serait un peu de la démagogie que de le dire. Et je crois que c'est déjà un effort qui est fourni de la part du gouvernement pour arriver à revenir sur ces paliers du point de vue des projections budgétaires que nous nous sommes faites et que nous continuons d'assurer, indépendamment du contexte international qui, lui, reste très difficile du fait de la guerre et de la pandémie. Donc, ne le voyez pas sur un individu, voyez-le sur un ensemble d'individus avec une portée dans chacune de ces familles. À partir de ce moment-là, on verra qu'il y a quand même un impact et que c'est un impact qui doit continuer à s'améliorer parce que les conditions dans lesquelles nous les avons trouvées étaient déjà suffisamment basses. Question d'auditeur. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les nouvelles unités qui travaillent tous les jours dans la fonction publique, certains depuis des années, soient payées? Question de Guy Kindombe, qui est NU aux affaires étrangères.
nouvelle unité. Je l'ai dit, c'est l'assainissement. Absolument, ça passe par là. Ça, c'est la première thérapeutique. La deuxième, et ça, je crois qu'il faut quand même l'affirmer. Nous avons un problème d'emploi, ici en République démocratique du Congo, et c'est ça qui amène certains de nos compatriotes à se retrouver dans ces conditions, à aller prester sans pour autant malheureusement être rémunéré. C'est déjà là l'anomalie. On ne devrait pas laisser ça se faire. Mais aujourd'hui, pour plusieurs raisons, politiques parfois, je dois l'avouer, on procède quand même à des recrutements non programmés. Parce que les recrutements devraient se faire selon un plan précis, tenant compte justement de la mise à la retraite. Sinon, on continue à faire un trop-plein et ça apporte plus de difficultés encore que nous en avions par le passé. Donc, cette mise à la retraite va permettre d'absorber une certaine quantité de nouvelles unités, mais aussi l'assainissement. Une fois qu'on pourra éliminer, dans le cadre du travail qui se fait sur le recensement de l'agent public, qu'on pourra éliminer les doublons, qu'on pourra éliminer les fictifs, ça pourra laisser de la place pour ces nouvelles unités. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. C'était déjà un système qui se met en place. Et puis les autres réserves que nous pourrons faire. N'oublions pas que non seulement nous avons une augmentation de rémunération, mais nous avons aussi un IPR pour une certaine catégorie des personnes qui sont rémunérées en dessous d'un certain seuil, une baisse de 15 à 3%. Ces réserves que nous pouvons engranger vont nous permettre aussi de voir comment est-ce qu'on peut absorber certaines de ces nouvelles unités. Voilà. Voilà, vous le savez, la ville de Kinshasa n'a jamais été aussi sale, monsieur le Premier ministre. À votre arrivée au pouvoir, vous avez lancé plusieurs projets d'assainissement, notamment Kinshasa Zéro Trou. Honnêtement, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes satisfait de ce bilan? Kinshasa Zéro Trou, programme ambitieux avec l'objectif de diminuer l'impact des embouteillages ici dans la ville de Kinshasa. Et je crois que d'abord c'est un programme que nous suivons de près. Pour tous ceux qui ont l'habitude de suivre les comptes rendus qui sont faits des conseils des ministres, nous en avons fait désormais une question hebdomadaire pour pouvoir suivre l'évolution de ces travaux. Mais n'oubliez pas ici que nous sommes dans un domaine d'infrastructure et les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Les travaux ont commencé. Une première phase avait été déclinée, qui devait atteindre 30 millions de dollars, et sur une période de 6 mois, telle que ça devait se faire. Aujourd'hui, le financement s'est déjà fait à la hauteur de plus de 15 millions de dollars par rapport à ce programme, et les travaux se poursuivent. Nous avons malheureusement connu, et lorsque nous avons démarré ces travaux, je vais dire des pénuries, parce que bon, on dépend aussi du climat, pour assurer ces travaux. Ça retarde un peu, mais c'est en cours. Et moi, je vais peut-être revenir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'impatience. Souvent, nous, on le ressent. C'est parce que qu'est-ce que vous voulez? L'État a été souvent absent, ce qui fait que les attentes sont très grandes. Et lorsqu'on voit l'État arriver, on a besoin qu'il termine les choses ici et maintenant. Mais il faut de la patience. Je peux rentrer sur La construction du boulevard. Moi, j'étais dans cette ville de Kinshasa, je venais d'arriver comme jeune député. Je me rappelle tout ce que ça a été pendant qu'on était dans la construction de cet édifice. Aujourd'hui, c'est derrière. Le boulevard est là, on peut en bénéficier. Et donc, la même chose pour ce programme. Nous y mettons les moyens, nous allons continuer à les mettre et les résultats seront palpables. Donc, je reste confiant. Question de l'auditeur. Que le Premier ministre nous dise aussi quelle est la vision du Premier ministre quant à la promesse du chef de l'État de créer des milliardaires congolais. Quelles sont les mesures prises par son gouvernement pour y parvenir? Quel accompagnement prévoit-il aux jeunes entrepreneurs congolais? Les jeunes entrepreneurs congolais ont besoin d'être accompagnés. Et je pense qu'au niveau de notre ministère des PME, c'est déjà quelque chose qui est en voie. On a vu très récemment des jeunes entrepreneurs, plus de 750 d'entre eux, être financés à des hauteurs différentes en termes d'enveloppe pour pouvoir leur permettre de réaliser leurs projets. Et à côté de ça, les secteurs d'éclosion qui doivent être mis en avant pour que nous puissions avoir
ces milliardaires congolais, nous devons aussi y mettre un accent. Et récemment, vous avez suivi que nous a été demandé de renforcer cette structure qui est supposée garantir la promotion des entreprises locales du point de vue des contrats tels qu'ils doivent être faits dans la plupart des entreprises. C'est un début qui va permettre qu'on puisse avoir une certaine éclosion de ces entrepreneurs, mais on devra aller plus loin en allant vers des secteurs précis, parce qu'ici on en parle aujourd'hui, on parle d'agriculture, on peut aller sur d'autres secteurs, surtout que nous avons un plan d'industrialisation précis pour les inciter aussi à aller dans ces secteurs-là et arriver à s'accroître. À côté de ça, c'est important aussi que dans l'accompagnement, nous puissions avoir une banque de développement. Ça sera difficile pour nous d'atteindre cet objectif si on ne peut pas avoir, à notre niveau, une banque qui peut permettre l'accompagnement de ces entrepreneurs. Certes, ça reste un chemin qui reste un peu long, mais il faut rester confiant. On reste dans l'économie, parlons d'Air Congo et de Congo Airways. Pourquoi lancer une nouvelle compagnie alors que celle qui existe n'est plus assistée par le gouvernement? C'est une compagnie d'État. Elle devait acquérir des avions, on ne l'a, semble-t-il, pas financée. Mais on pense déjà financer une nouvelle autre compagnie. D'abord, je ne pense pas qu'on peut affirmer ici que Congo Airways ne bénéficie pas de l'accompagnement de l'État. Il bénéficie de l'accompagnement de l'État à plusieurs titres, en termes de subventions, pour assurer son fonctionnement. Maintenant, je vais rappeler que dans le secteur aérien, nous avons voulu permettre le déplacement des Congolais et Congolaises dans différentes contrées et faciliter les échanges. Ce n'est pas possible avec Congo Airways ? J'y arrive. Nous avons, à partir de ce moment-là, décidé de revenir sur la structure des prix au niveau de la tarification qui est faite en interne. Et cette tarification qui a baissé, de commun accord avec les opérateurs du secteur aérien, a permis à ce que nous puissions accroître la demande. Parce que désormais, vouloir quitter Lubumbashi pour aller Kinshasa pour aller à Lubumbashi, c'est $200. Personne qui l'avait hier, qui ne pouvait pas se déplacer, aujourd'hui le peuvent. Et donc, on a plus de demandes. Et même de ce côté-là, il faut quand même aussi avouer, parce que j'avais parlé du secteur des hydrocarbures, j'espère qu'on pourra revenir là-dessus, parce qu'il y a une pédagogie à apporter, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une augmentation. Et donc, il va falloir probablement se réadapter, parce que le prix du kérosène aussi augmente. Et pour faire face à la pénurie, on devra se réadapter par rapport au prix. Mais vu que nous avons une forte demande, aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a des zones qui ne sont pas desservies. Il y en a plusieurs. Et ça devient de plus en plus difficile de se déplacer, quel que soit le prix. Donc, il faut augmenter l'offre. D'où la décision de prendre l'accompagnement d'une nouvelle société qui peut permettre d'augmenter l'offre. Cela ne signifie pas qu'on ne va pas continuer d'accompagner Congo Airways. Nous voulons simplement ici apporter une solution qui puisse soulager cette demande en termes d'offres. Lutte contre la pauvreté par le programme des 145 territoires. Un message d'un auditeur qui est dans la salle, il s'agit de Maître Freddy Poka. Je demande donc à la technique, on pourra le voir sur ses écrans, de nous diffuser le message de Maître Freddy Poka. Bonjour, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis avocat. Mais dans le cadre de cet échange citoyen, j'ai été retenu pour vous poser un certain nombre de questions. La première, c'est une préoccupation de beaucoup d'autres compatriotes. Ils veulent savoir à quand la matérialisation concrète du projet de développement des 145 territoires. Voilà, on n'a pas pu diffuser toutes les questions, vu le temps imparti. À quand le démarrage de ces travaux? Mais est-ce vraiment la solution dans cette lutte contre la pauvreté de multiplier les constructions? Pas forcément en multipliant les îlots de richesse. D'abord, un double objectif par rapport au programme de 145 territoires. C'est un programme qui est cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République.
c'est d'assurer une juste distribution de nos richesses. C'est vraiment l'objectif premier de cette opération. Mais c'est surtout de ramener un certain espoir en termes d'action de l'État. Lorsque j'ai fait une itinérance récemment, que je suis parti dans le Grand Équateur, le premier constat, c'est que quand j'arrive, on le mentionne clairement, ça va faire près de 30 ans qu'on n'a pas vu un Premier ministre se déplacer dans cette grande province. C'est véridique. Et lorsque nous nous déplaçons de Mbandaka pour aller dans la Chuapa et que nous progressons à l'intérieur, nous arrivons dans des contrées où, sincèrement, on a l'impression que l'État a démissionné. La seule manière, c'est que d'abord, il faut ramener des programmes de développement dans ces zones les plus reculées et pour assurer cette juste redistribution des richesses. Et puis, du fait de cette action, permettre une certaine employabilité. N'oublions pas que ce que nous voulons amener là-bas, c'est non seulement le développement, mais c'est aussi l'emploi, c'est aussi la circulation de la monnaie locale pour permettre l'éclosion finalement du point de vue de développement de ces contrées. Donc ça reste une solution. C'est vrai que pour certains, 10 millions de dollars qui est mis par territoire, si jamais ça n'était concentré que dans un seul secteur, ça aurait pu apporter une différence. Mais pour nous, lorsqu'on observe, on se dit non. Pour 145 territoires où nous avions la possibilité d'avoir une action directe et apporter une présence de l'État, nous avions cette responsabilité de le faire ainsi. Alors, à quand ? Mais parce que nous avons déterminé la manière dont ces travaux vont se faire. Nous travaillons avec des agences d'exécution. Nous avons voulu faire différemment cette fois-ci par rapport aux autres programmes. Et il ne faut pas aussi oublier que le programme d'investissement du gouvernement, lui, continue. Nous avons, dans le cadre du budget de l'année 2022, près de 2 milliards de dollars qui ont été votés dans le cadre de l'investissement. Lorsque vous prenez le volet 2022, en ce qui concerne le programme des 145 territoires, c'est à peu près 745 millions de dollars. Donc nous avons quand même 1,3 milliard de dollars qui restent et qui doivent aller du point de vue de l'investissement tel que défini dans chacun de nos ministères. Donc une portion de cet argent qui est pris pour atteindre des objectifs précis et surtout une certaine éclosion au niveau du développement local, je pense que ça vaut la peine de le faire. Les agences d'exécution ont été sélectionnées, le zonage a été fait, les projets ont été identifiés et nous avions avec eux une feuille de route qui permettait à ce que pour le premier trimestre, c'était 42 millions de dollars qu'il fallait mettre, qui ont déjà été payés. Pour le deuxième trimestre, c'est 214 millions de dollars qui sont déjà disponibles, qui vont être payés et par la suite, nous allons atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés et c'est incessamment que ces travaux vont commencer. Voilà, nous allons aborder le volet santé. Malgré la lutte déclarée contre la corruption et le détournement de deniers publics par le chef de l'État, les fonds alloués pour la riposte à la COVID-19 auraient été détournés, je le dis au conditionnel. Sur plus de 600 000 dollars décaissés par l'exécutif central, seuls 80 000 dollars ont été retracés. Je vais d'abord revenir sur le secteur lui-même, celui qui est celui de la santé. Parce que je l'avais mentionné, autant on a parlé d'éducation, la santé fait partie de nos priorités, parce que c'est pas possible de considérer un quelconque développement lorsqu'on n'a pas la santé. Et pour ce secteur, autant nous pouvons aller sur les infrastructures à mettre en place, dans le programme des 145 territoires, c'est plus de 788 centres de santé qui sont supposés être construit, identifié, et d'autres à achever, il y en a plusieurs. À ce moment-là, c'est l'État qui met directement la main à la pâte pour pouvoir achever tous ces chantiers qui, malheureusement, n'avaient pas pu voir le jour. Mais à côté de cela, nous voulons avoir un système qui permette d'apporter à chaque Congolais la possibilité d'avoir des soins de qualité et à moindre coût. D'où la matérialisation de cette volonté d'avoir cette couverture santé universelle. Hier,
un rêve, aujourd'hui, nous nous approchons de cette réalité. Parce que nous avons désormais les structures mises en place, les animateurs vont suivre, et nous devrons maintenant nous concentrer surtout sur le fonds de solidarité qui a été mis en place pour avoir les moyens de notre politique et approcher ce programme ambitieux qui est difficile partout sur d'autres cieux, mais qu'il faut absolument commencer ici si jamais nous voulons assurer le développement de notre pays. Voilà, la RDC vient d'enregistrer un nouveau cas de maladie à virus Ebola, je crois plus précisément dans la ville de Mbandaka. Ce qui fait craindre quand même, Monsieur le Premier ministre, quand on sait que les populations n'ont pas accès à des soins de qualité. Je pense que c'est important de le faire parce que vous l'avez mentionné et qu'il s'agissait ici d'une question de détournement telle que vous l'avez mentionné en ce qui concerne les fonds Covid. Garantir que pour chaque dénonciation qui est faite, des poursuites sont lancées pour déterminer les responsabilités et le cas échéant, parce que vous avez parlé de la justice, l'appliquer sur tous ceux qui seraient en tout cas accusés de détournement dans le cadre de ces programmes que nous avons, surtout dans cette période de la pandémie à Covid-19 où nous devons être le plus vigilants possible. Le cas d'Ebola dont vous avez parlé, ici, moi, je peux quand même revenir sur non seulement un exploit ici fait dans le cadre médical avec notre professeur Mouyembe qui a su démontrer que dans ce domaine, quelle que soit la difficulté, nous avons su prouver notre propre résilience et même en y apportant une solution médicale. Donc, si jamais nous rentrons sur tous les cycles que nous avons connus, indépendamment de notre faiblesse de système de santé, en tout cas surtout du point de vue infrastructure, nous avons toujours su maîtriser cette maladie. Elle se déclare maintenant, nous espérons qu'elle pourra être éradiquée le plus tôt possible, surtout que la conférence des gouverneurs prochaine est prévue dans cette zone. On va parler sport, construction de stades, jeux de la francophonie, culture, palais de la culture en cours de construction. Ça, c'est plutôt l'ITPR, les ITPR. Route et infrastructure, vous avez dit que pour développer le pays, pour notamment permettre à l'agriculture de se développer, il faut construire des routes d'intérêt agricole ou d'intérêt national. Question d'auditeur, pourquoi est-ce que beaucoup de chantiers sont ouverts, poste de première pierre, mais jamais inauguration ou peu d'inauguration de ces grands travaux? Je vais dire d'abord qu'en ce qui concerne la question des infrastructures routières, parce que ça reste là aussi une priorité pour nous, peut-être chantier posé, une première pierre posée, je serais quand même un peu tenté de savoir à quelle période, comme ça peut nous permettre d'être un peu plus précis. Je vais prendre un exemple. Mais ce que je peux garantir, c'est que tous les chantiers routiers, parce qu'on a parlé de Kinshasa zéro trou, et j'avais donné l'indication, c'est généralement une question de financement. Il faut s'assurer que pour tous les projets que nous avons, ils puissent être financés. S'il n'y a pas de financement, le travail ne peut pas se faire. Et pour tout, en tout cas les projets qui sont en cours actuellement, des chiffres précis ont été donnés, c'est plus de 61 projets qui sont en cours actuellement au niveau du ministère des ITPR. Pour chacun de ces projets, on peut déterminer ceux qui sont terminés. Il y en a 14, je peux déjà vous le mentionner. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels on peut donner l'état d'avancement en fonction du financement. Alors, vous pouvez maintenant me donner un exemple et je pourrai vous donner une réponse. Je vais être clair. Le président de la République a récemment, à Mwanda, posé la première pierre du futur port en eau profonde. À Mwanda, semble-t-il, ce sont en tout cas les retours que nous avons des auditeurs de la RTM, pas encore de travaux. On parle d'études de faisabilité, on parle donc, comme vous dites, où on essaye de mobiliser les financements. Est-ce que, comme prévu ou promis à janvier 2024, le port en eau profonde commencera à accueillir son premier bateau? D'abord, avant que nous puissions avoir cette pose de première pierre, c'était une condition préalable qui avait été donnée à la société DP World de garantir les délais pour que justement ce projet ambitieux dont on parle depuis plus de 40 ans et qui pour la première fois j'y étais, c'était
D'ailleurs, dans le discours qui avait été prononcé à l'embouchure, et on nous a rappelé que il y a plusieurs décennies, Diego Cao passait par là, il fallait s'assurer que nous puissions avoir ce port tant attendu, avec un double volet ici, parce que c'est aussi une question politique. Rappelez que ce projet est directement lié au projet Route Rail, République démocratique du Congo et République du Congo. Parce que c'était une exigence aussi qui nous avait été donnée du point de vue du Congo central pour assurer le développement du Congo central qui ne soit pas mis à mal par l'autre projet qui lui aussi est en cours. Qui est plus rapide peut-être, qui sera réalisé avant l'autre ? Non. Ici, nous avons vraiment la détermination d'aller jusqu'au bout de ce qui avait été donné comme garantie et d'avoir le port en eau profonde de Banana avant que nous puissions déclencher. Si vous avez suivi le ministre du Plan qui est allé présenter d'ailleurs la ratification par rapport à ce projet, il a bien déterminé les périodes allant de maintenant jusqu'à 2028 sur les deux projets. Et vous verrez que jusque-là, c'est maintenu que le port en eau profonde de Banana démarra avant celui du pont Route Rail entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Infrastructure encore, message auditeur, les Congolais en ont marre du mauvais état des routes dans les territoires. Ne pensez-vous pas mécaniser les cantonniers comme agents de l'État pour qu'ils les entretiennent quotidiennement ? C'est prévu, effectivement, parce que ici, lorsque l'on doit regarder la demande, surtout financière, pour avoir des routes, on a quand même un réseau assez vaste, c'est plusieurs milliers de kilomètres en ce qui concerne la République démocratique du Congo. On se rend compte qu'avec les budgets actuels que nous avons, nous ne saurons pas remplir, surtout du point de vue des territoires qui doivent être liés les uns les autres, cet objectif à court terme si nous les voulons dans un état d'asphalte. Et donc, au niveau du gouvernement, nous décidons de les avoir dans un état carrossable. Nous avons besoin qu'il y ait des échanges routiers. Et ce ne sera pas possible de le faire si jamais on ne peut pas mettre des brigades de cantonnage si on veut atteindre cet objectif. Et aussi, ici, c'est important de le mentionner, parce que c'est un programme aussi qui est mis au niveau du ministère de la Jeunesse, pour pouvoir nous assurer aussi qu'on assure une certaine offre d'emploi à cette jeunesse dans les contrées de nos territoires et de nos villages. Infrastructure encore, SNEL et Régie des Eaux. À Goma, il y a la concurrence. À Goma, il n'y a pas les coupures d'électricité qu'il y a à Kinshasa. À quand la concurrence à Kinshasa notamment? Et au moment où on a vu la suspension des autorités ou des dirigeants de la Régie des Eaux, est-ce que le fait que la SNEL soit toujours, ceux de la SNEL soient toujours aux commandes, signifie-t-il que le gouvernement est satisfait de leur travail? Par rapport à ces deux entités, je vais d'abord dire effectivement que nous sommes, et vous avez vu qu'il y a eu des appels d'offres qui ont été lancés du point de vue des dirigeants de ces deux structures, parce que nous aurons probablement la chance de bénéficier de moyens assez importants qui vont nous venir de nos partenaires et qui exigent que nous puissions avoir une certaine orthodoxie dans la gestion de ces deux entreprises. Alors, le principe, il est consacré. Nous avons déjà plusieurs opérateurs qui sont à nos portes pour pouvoir apporter des solutions. Parce que c'est consacré, je l'ai dit, c'est sur la libéralisation dans ce secteur de l'eau et de l'électricité, consacré, d'ailleurs discuté récemment au niveau du Conseil des ministres, pour réaffirmer ce principe. Et on verra très bientôt, effectivement, des opérateurs qui pourront venir, surtout dans le photovoltaïque, apporter des solutions et diminuer toutes ces contraintes que nous avons, notamment dans la ville de Kinshasa, où nous avons besoin d'un minimum de 700 MW, alors que nous n'avons que un peu plus de 400 qui sont desservis et qui causent tous ces délestages que nous connaissons quotidiennement. Sport, construction de stades, jeux de la francophonie, culture, pays de palais de la culture, j'ai dit qu'on allait en parler, on n'aura peut-être pas le temps matériel, mais tout ça revient autour d'un ministère que vous connaissez bien, Monsieur le Premier ministre, il s'agit du ministère de la Jeunesse. Il y a un an, tout le monde était satisfait, content de voir un jeune arriver à la primature. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de jeune à un tel, disait-on.
Mais aujourd'hui, cette jeunesse, qu'est-ce qu'elle peut dire, pouvoir attendre d'un des leurs que vous êtes ? Vous avez parlé d'infrastructure, vous avez parlé d'un ministère que j'ai connu. Effectivement, c'est le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Et puis, au sens strict du terme, vous serez peut-être un peu déçu, M. Christian, mais la jeunesse ici est considérée chez nous, du point de vue de nos textes, comme étant une catégorie qui part de 15 à 35 ans. J'ai dépassé ce stade, mais je reste jeune en termes d'état d'esprit, en termes d'énergie et en termes de ce que je voudrais apporter à la République. Et je l'ai toujours dit que ici, les jeunes, ils doivent me considérer comme un allié sur les questions qui les préoccupent le plus, notamment la question de l'emploi, parce qu'il faut aller vers une formalisation dans ce secteur. C'est parce que nous avons beaucoup d'informels qu'on ne peut pas leur apporter des solutions. D'où nous revenons sur l'entrepreneuriat, parce que nous pensons que là où il y a des défauts en termes d'investissement qui peuvent apporter de l'emploi, c'est l'entrepreneuriat qui peut arriver à nous apporter des solutions, surtout en ce qui concerne les jeunes. Et nous nous inscrivons à travers tous les projets que nous avons faits dans ce secteur, projets, je peux en citer tant d'autres, pour garantir que nous puissions accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui garantir aussi cette gratuité pour permettre plus d'accès de cette jeunesse à l'éducation et notamment à leur avenir. Moi, je dis simplement qu'ils doivent trouver en moi un allié et un allié des plus sûrs. Voilà, tout c'est dit. Nous sommes en train de chuter, Monsieur le Premier ministre. La RDC va organiser d'ici quelques mois les 9e Jeux de la Francophonie. Est-ce que nous sommes prêts pour accueillir ces Jeux ? D'abord, nous avions réaffirmé que nous souhaitions organiser ces Jeux cette année. C'était le souhait. Nous avions une difficulté majeure. C'était le village de la francophonie, parce que lorsque nous devons accueillir ces Jeux, nous devons avoir ces abris qui vont prendre en compte les athlètes et surtout tenir compte de toutes les disciplines qui doivent être défendues ici en République démocratique du Congo. Des options ont été levées pour que nous puissions avoir ce village et des contraintes sont venues du fait que nous connaissons des retards, du fait de la pandémie à Covid-19. Ça devient de plus en plus difficile de garantir les délais en termes d'importation. Et dans le cadre de l'évaluation qui est venue se faire, on a estimé que tenant compte de ces délais, ce serait peut-être difficile de tenir les temps. D'où la demande d'aller sur l'année prochaine et garantir à partir de ce moment-là que les délais soient un peu plus souples pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Mais toutes les commandes étant déjà passées par ailleurs et payées par le Trésor, nous sommes convaincus que nous serons prêts pour les échéances qui sont en train de venir, non seulement du point de vue des infrastructures, mais surtout du point de vue structurel dans la préparation de ces Jeux. C'est vraiment une garantie que je peux donner. Et très bientôt, bien sûr, dans le cadre du comité qui est mis en place dans la préparation de ces Jeux, vous nous verrez sur terrain en termes de visite de ces infrastructures. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Ici se termine cette émission Face au public. Veuillez nous excuser des quelques petits problèmes techniques rencontrés au cours de cette émission. On va terminer cette émission, Monsieur le Premier ministre, en vous posant quelques questions, en rappelant que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le président s'est plaint par le passé du manque de coordination des actions initiées par le gouvernement. Est-ce toujours le cas aujourd'hui ? Non. Et puis, peut-être nuance à apporter, parce que ça avait été dit dans un contexte précis, c'était exactement dans le domaine de l'énergie, où un projet qui aurait dû voir le jour être lancé connaissait des difficultés. Et donc, ce manque, c'était pas nécessairement dirigé contre le gouvernement, si jamais je peux le dire ainsi, mais surtout sur les structures devant s'assurer de la mise à jour de ce projet. Mais aujourd'hui, bien sûr, tout le travail se fait pour que nous puissions avoir une coordination parfaite. C'est vrai que nous connaissons des difficultés. Les difficultés, elles sont là, elles sont inhérentes à notre système, elles sont inhérentes à notre administration qui doit être remise en place, elles sont inhérentes à nos infrastructures qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Elles sont inhérentes aussi
à la multiplicité des problèmes auxquels nous faisons face et sur lesquels chaque jour nous devons faire des choix de priorité par rapport aux moyens qui sont les nôtres. Tous les jours, nous nous battons pour améliorer le budget de l'État, nous nous battons pour améliorer les recettes de l'État. Mais je peux garantir que ce n'est pas suffisant par rapport aux demandes, par rapport aux besoins attendus de la République démocratique du Congo et de ses citoyens. Mais nous, nous ne voulons pas être pessimistes, nous voulons être optimistes face à l'avenir, parce que je l'ai dit, d'entrée de jeu, les bases ont été posées, nous sommes résolument tournés vers l'avenir, et nous sommes garantis que si jamais nous maintenons le cap, surtout du point de vue de nos réformes, de digitalisation et de maîtrise de nos chiffres, nous allons atteindre des résultats et nous pourrons répondre à toutes ces demandes qui sont faites parce que le potentiel de la République démocratique du Congo ne nous permet pas d'échouer. Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été en mesure d'avoir accompli ? Je pense que c'est la restauration de la paix dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo parce que nous avons lancé de manière officielle du point de vue de l'ordonnance présidentielle, c'était le 6 mai de l'année passée. Et le 6 mai de cette année, ça va faire exactement un an que nous aurons l'état de siège dans ces deux provinces. Et nous n'avons pas encore totalement recouvré la paix. Nous avons encore des familles qui sont endeuillées. C'est mon plus grand regret, en tout cas sur l'année qui s'est écoulée, avec la plus grande détermination de nous attaquer à ce chantier-là et apporter des réponses positives à cette partie de la République. Est-ce qu'il était ce chantier à votre portée ? Excusez-moi ? Est-ce que ce résultat était à votre portée ? Est-ce que c'était possible de penser que c'était possible d'y arriver ? Oui, parce que au moment où nous décidons de lancer des opérations, nous avons toute la détermination de le faire, en tout cas dans des délais les plus courts. Aujourd'hui, face à cette virulence que nous avons, nous voulons rester aussi déterminés d'atteindre cet objectif. Tout en restant conscients de toutes les façons, même lorsqu'on l'avait lancé, que nous venons de plusieurs années derrière nous de violence et que nous n'allions pas d'un claquement de doigts nous assurer que de les éradiquer complètement. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Alors, le principe de cette émission, c'est que le dernier mot vous revient. On ne vous a pas beaucoup entendu en un an. On vous remercie d'avoir accepté de parler. Est-ce que vous parlerez plus ? J'aurais voulu que ce soit ma dernière question, mais comme le dernier mot est à vous, je vous laisse terminer peut-être avec ce qui n'a pas pu être dit au cours de cette émission. Je vais terminer cette émission simplement par dire que j'ai voulu, et pour moi, vous l'avez dit, c'est une première, être face au public. Donc pour moi, c'était d'abord un honneur d'être dans cet exercice de redevabilité face à cette audience qui a été au devant de moi, que je respecte beaucoup, face bien sûr aux membres du gouvernement qui ont assuré l'action du gouvernement pendant ces un an sur lesquels nous avons travaillé. Je voudrais aussi mentionner que beaucoup reste à dire. Nous avons été sur les thématiques, je vais dire, d'actualité. Mais si jamais nous devons aller dans chaque secteur de vie sociale, dans chaque secteur de ministériel, il y a tellement d'actions que j'aurais voulu mentionner et dire ici. Parce que pendant 12 mois, je peux vous garantir que plusieurs actions ont été menées dans chaque ministère sectoriel et que nous allons assurer le relais en termes d'information par rapport à ces actions au niveau de chaque ministère. Moi, j'ai peut-être planté le décor et répondu aux questions qui étaient les plus pertinentes, mais j'espère en tout cas que dans les jours qui vont suivre, parce que c'est déjà annoncé, tous les autres ministères sectoriels pourront donner chacun à leur niveau leur réalisation. Ça nous permettra de mieux évaluer l'action du gouvernement. Anita Luamba, merci. Merci Christian Lusakweno. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci. L'invitation est lancée aux membres du gouvernement pour la prochaine édition de cette émission Face au public. Merci à tous. Merci aux équipes techniques de la RTNC de Top Congo d'avoir rendu cette émission possible. Prochain rendez-vous, à très bientôt. Monsieur le Premier ministre, encore une fois, merci. Merci. Du 2 au 7 mai, Top Congo FM est au Congo central.
La Fréquence Utile déploie ses micros et caméras de Kasangulo à Mwanda. Focus sur une province, richesse et potentiel. Qui sont les leaders Congo? Vendredi 6 mai, l'élection du gouverneur en direct sur votre radio et sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Pour vos publicités dans ces éditions spéciales, joindre le 081 330 69 96 commercial@topcongo.fm.